Partie 9, hein, déjà. Partie 9 de Tales of Berseria. On va basculer tout de suite sur le jeu. Nous étions, alors si je me souviens bien, nous étions arrivés dans l'orifice, hein, le vagin, hein, vous vous souvenez. On a réussi à s'échapper par l'orifice. On a même vu le pirate envoyer une couille. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, mais je suspecte que ce soit une couille espionneuse. Donc là, on se retrouve avec la ficelle dans nos bras. Et je sais pas où on va. Trouver comment sortir d'ici, voilà. C'est l'objectif. Et là, on se retrouve dans un monde un peu parallèle, quoi. Alors, voilà, c'est l'origine du monde, quoi. Et c'est assez joli. Sachant que, bon, c'est assez dépouillé, mais c'est... Et c'est une mer de Mantalo. Voilà. Là, il y a une sphère... Se déplacer. Ah oui, d'accord. Et si je m'étais pas déplacé? Si je m'étais pas déplacé, bon, il y avait rien de spécial. Ok. Non, je vérifie. Hein. On essaye de faire les choses bien quand même. Là, il y avait. Qu'est-ce qu'il y a à la ficelle? Accroche-toi à la ficelle. Accroche-toi. Accroche-toi à la ficelle. Bon, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien là. J'ai pas besoin de fouiller. Hein. Accroche-toi. On est bientôt arrivé. On va bientôt arriver chez mamie. Pardon. Bon, ils vont nous balader longtemps là. Ah, merci. Qu'est-ce qu'elle en sait? Première fois qu'elle vient ici. Nous n'en savons rien. Peut-être que c'est sans fin. On se téléporte de boule en boule. On n'en sait rien. Allez, à mon avis, c'est bon là. Ah non. Bah, on est revenu au début là. Allez, moi je suis tenté de dire que c'est là. Hein? Peut-être pas, hein. Non, c'est un piège. Non, non, il fallait que je retourne à l'autre. Je me suis fait avoir comme un bleu. Pourtant, on le voit. On va retourner à celui-ci. Qui devrait nous téléporter à celui-là. Vraisemblablement. Hein. Ah voilà, c'est bon. On y est, on y est. On passe par la droite. Toujours plus sûr. Voilà. Cinématoche. J'espère que ma tête est pas trop grosse. Que ça vous fait pas peur. On est dans le pou terrestre. ああ、自然の生命力が流れる川のようなものだ。世界中に存在するが、普通は見ることも触れることもできない空間だ。 Oh pardon, je vous cache avec ma petite main. Je vais fumer comme ça. あの人ライフセットの力がぶつかって、地脈が開いたのは間違いない。
つまりそいつの力があれば元の空間に戻れる可能性があるが。Ah oui, c'est la ficelle qui a provoqué, hein. Je me souvenais plus. Mais confus. この様子では無理か。もうすぐゴーマ化するぞ。バカなこと言わないで。En démon? Non, la ficelle ne ferait jamais ça. Je refuse. Des fois c'est rapide, hein, faut lire hein, vite. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? それに宿れば精霊は傲慢化を防ぐことができる。あんたも。これが俺の器だ。だが、こいつは訳ありでな。死神の力を持っていないと宿れない。あ、comment on fait pour la ficelle? Il a des pouvoirs de quoi, lui? 他に何か。De danseuse?Ah, elle va nous aider. On n'a pas le choix. Tsumari, anta o ugokenaku shite utsuwa ni sureba ii wake ne.そうなれば、その精霊はゴーマになり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。敵を知り、その弱きを攻めろ。戦いの基本です。アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。違います。私は大魔師の力を取り戻した上で、ゴーマ・ベルベット、あなたに決闘を申し込みます。私が負けたら何でも言う通りにしましょう。死でも器でも好きに命じなさい。ほう。ベルベット。On va pas mourir, t'inquiète pas la ficelle. On va trouver une solution. Papa va trouver une solution. Maman, pardon. Bon, enfin, papa, maman, aujourd'hui, ça veut plus rien dire. On va trouver une solution. Elle a des belles bottines, moi j'aime beaucoup.主がつけるものですが、今はまだ私のものではありません。Il s'appelle la ficelle. T'as pas écouté? Je le répète depuis 3 heures. La ficelle. La ficelle. La ficelle, oui. それなら。Dis donc, on se connaît à peine. 天使の泉に生まれし者よ。今名約のちぎりを交わし。我が確約たる神に正常なる世を生む一女とならん。覚えよ、汝に与えるマナを。Elle a fait disparaître la ficelle. Rends-nous la ficelle, salope. なんて力。Pardon, coquine.Mais rends-nous la ficelle quand même. Rends-nous la ficelle, on a besoin. On a besoin pour le. Ils ont été. 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 Ils ont été.まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量さを見せられておれんはずがない。ジューガルドかけてもいいぞ。あ、t'es pas très grande chose, hein, ディガルド。その賭け、
乗った。Ça doit être pratique pour se balader avec sa ceinture de bouquin là, je vois ça là. Avec ses grimoires là autour de sa culotte. Excusez-moi, je digresse un peu, mais regardez, elle a quand même six grimoires autour de la culotte. Je sais pas à quoi ça sert, ce qu'elle essaye de nous faire passer comme message, mais c'est spécial. C'est spécial. Pardon. Pardon, Kirikou. Oui, je lui ai mis un petit chapeau. Il est bien plus joli maintenant. Soka. Leno onna taimashima. Lifezetto no utsuwa ni na. De, soitsu wa doko ni ittan da? Rokuro tachi ga koko ni ita ということは, aitsu mo chikaku ni dete iru hazu da. Évidemment qu'on va la retrouver. Moi j'aime bien qu'elle soit sérieuse. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Ruine d'Ivolg, l'édifice oublié. Alors là, on est quelque part. Et bien fait de regarder par derrière. Regardez toujours par derrière. Une petite fiole de Dénor, ça nous permet de, bien sûr de nous échapper. Voilà. On va faire une petite sauvegarde rapide. Des fois il y avait un bug. Il y en a jamais, hein, mais moi je suis parano. Regardez toujours derrière et soyez toujours parano. Et j'ai des conseils à vous donner. Alors. Ah bien. Ah bah j'ai fait une sauvegarde rapide alors que... On pouvait faire une vraie sauvegarde. Me voilà bien feinté. Alors, trouver Éléonore et la ficelle. Éclat de pierre de flamme, d'accord. On va passer par la gauche. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Bon là voilà. C'est les petits coquins avec leurs boules, hein. Je suis obligé de les prendre alors que ça me sert à rien. Reçu fiole de panacée. Très bien. On en a utilisé quand on était empoisonné tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se dirige à l'autre bout. Il va forcément y avoir encore un trésor, évidemment. Les développeurs... Ils se sont pas fait chier à modéliser une salle entière pour s'il n'y a pas des boules et un trésor. Regardez, les boules et le trésor. Et voilà, bravo. Ah, on a reçu une des galles. Mais juste 11. Ça fait pas notre affaire. Ah, on a... Alors, gardien usé, un vieux gardien. Ça, c'est pour Magilou. Alors, Magilou, qu'est-ce que ça va te faire? C'était ça? Non, c'était... Voilà. Et bah c'est très bien parce qu'elle avait maîtrisé déjà sa poupée gardienne. Attaque plus 5. Donc on va lui mettre. Ah putain, elle attaque moins fort, mais elle est plus forte en magie. Mais de toute façon, elle attaque en magie. Donc hop, on lui met le gardien usé. Très bien, on a bien fait de venir là, vous voyez. Vous voyez. Je vous donne en même temps des petits trucs et astuces. Si un jour vous voulez faire le jeu. D'où l'intérêt de me suivre. Pas simple, me suivre, c'est pas simplement passer un bon moment et s'éveiller au monde. C'est aussi des petits trucs et astuces. Et tout ça gratuit. Hein. Il y a quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose. La pierre de flamme. C'est pas que du divertissement ici, c'est culturel.
Ça, dans le chat, les gens le comprennent pas. Bon, on va se battre un petit peu. Bon allez, je vois qu'ils sont cons, mais on va attendre, voilà. Très bien. Oui, hors ligne, j'ai réagencé un petit peu mes artés, mes attaques. Et j'ai l'impression que c'est pas mal. En fait, je me suis rendu compte que en lisant les descriptions, qu'il y en avait certaines. Je vais vous dire ça juste après avant le combat. Il y en avait certaines qui permettaient de mettre les adversaires au sol. Donc forcément, j'ai mis un arté qui pouvait attaquer quelqu'un au sol. Après, juste après. Vous comprenez ? Ça réfléchit là-haut quand vous êtes pas là. Ça travaille. Pour vous donner un stream de qualité, je me donne beaucoup de mal. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que vous avez bien mangé. Bien mangé, parce que je suis en train de dire à manger. Vous avez bien apprécié le stream d'hier. Oui, alors j'espère que vous avez apprécié le stream d'hier qui était sur. J'ai rangé la boîte. Sur Remothered Broken Porcelain. Le second chapitre, la suite de Tormented Father. Survival Horror espagnol de très très bonne facture. J'ai passé 2 heures hier, c'était très très bon. Je vous invite à regarder la VOD sur YouTube ou sur mon Twitch. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une bonne découverte. Il y a quelques défauts, mais si on fait abstraction de tout cela, c'est un petit studio. C'est un bon jeu. Pour le moment, je trouve. Et voilà, coup de botte. Lorsqu'un mur vous barre la route, ce n'est pas forcément un cul-de-sac. Vous pouvez peut-être le détruire en l'examinant avec A. Si vous êtes bloqué dans une impasse, essayez d'examiner les murs autour de vous. Je m'y ferai jamais, moi je joue sur une manette PlayStation, je m'y ferai jamais avec les boutons Xbox. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, là, le A en vert. J'ai jamais joué au truc américain. Hein. Moi je suis très japonais dans l'âme. Hein. D'ailleurs je déteste tout le design de la Xbox. La couleur verte, les boîtes de jeu sont horribles, hein. C'est vert comme mon fond vert. Je sais pas, je trouve ça très laid. Je préfère le bleu de PlayStation. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, battez-vous dans le chat, les pros Microsoft. Je plaisante. Oh là, je me fais latter là. Voilà. Je vais m'emmerder là. Oh. Douleur mortelle. Ah, j'ai bien fait d'agencer un peu mieux mes artés. Hein. On voit que... Ah, j'ai remporté des nouveaux anneaux. Mais on en a déjà un paquet. Faut pas que j'oublie de me décaler de temps en temps. J'ai également modifié la demande pour Magilou. Je lui ai demandé d'attaquer les ennemis à distance et de se protéger.
せるもんなら、かわしな。ウェイストスメイヘム。ウェイスブーム。下ったか。Il est en garde là. Voilà. Oui, Majilou, je lui ai. Ah, on a des une poupée d'ambre et un pendentif de calcite. Très bien. Poupée d'ambre. Ça, c'est pour Majilou, justement. Gardien incrusté d'ambre qui sert de catalyseur à mana. Pendentif de calcite, ça c'est pour Ezen. Ok, on va regarder ça tout de suite. Oui, Majilou, je lui ai demandé de... Dans la stratégie, bah, je vais vous montrer. Je lui ai dit d'attaquer des ennemis multiples, mais à distance. Que son attaque guérison soit équilibrée, parce que moi je suis quelqu'un d'assez équilibré dans ma vie. Au niveau de jauge de puissance, comme je suis un peu liberticide, je lui ai dit choix libre. Vous voyez, c'est mon côté anarchiste. Et au niveau brise-lame, elle a le choix libre, vous voyez. Donc je lui fais entièrement confiance, hein. C'est ce qu'on... Bah, en fait, non, on va mettre régénération. C'est mieux qu'elle se soigne. Ok, donc là, on a des nouvelles choses. Bah, évidemment, la poupée d'ambre est beaucoup mieux, mais on va lui laisser expertiser le gardien usé. Et pour Coco, là... Il a eu un nouveau truc, c'est un pendentif, hein, je crois. Hein. Il a pas encore expertisé le sien, hein. Donc on verra ça plus tard. Il est bizarre, lui. On va leur péter la gueule avant le temps qu'ils aient le temps d'envoyer un sort. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai bien fait de relever un peu la difficulté. C'est beaucoup plus agréable là. Il y a plus de challenge. Voilà. Allez, on a gagné un niveau. Et on a gagné un arté flux ténébreux. Alors ça, on va aller regarder ça. Et un charme. Talisman protégeant des accidents en mer. Allez hop, on passe son temps dans le menu, hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. Est-ce qu'il l'a... Il l'a maîtrisé en plus, son talisman d'ambre, Kirikou. Il a une puissance d'attaque de terre de plus 4. Donc voilà, c'est même si on change, il garde... Donc on va lui mettre la puissance d'attaque d'eau plus 9. Le charme marin. Très bien. Et nous, on a un nouvel arté. Alors, c'est... Vrille persante. C'est quoi le nouvel arté? Plus ténébreux. Arté caché qui aveugle un ennemi. C'est un très bon arté, regardez. Il fait une attaque de terre et une attaque de vent. Arté caché qui aveugle un ennemi avec un orbe de gravité. Puis l'entaille. Oh là, dis donc, c'est violent. Hein. Avec un coup de pied vers la droite. Très efficace contre les ennemis amorphes. Vrille perçante. Est-ce qu'on l'a de plusieurs fois? On l'a là. Eh ben écoutez. Je regarde le vrille perçante. On l'a un peu partout, vrille perçante, non? C'est supersonique. Allez, on va le mettre là. On va mettre le flux ténébreux. Comme ça, là, tout ce qui est X. Alors, X, j'imagine que c'est le triangle. Je sais pas. Il faudrait que je m'achète une... Faut que je vais mettre des stickers sur mes boutons de touche. Pour me souvenir qu'est-ce que Quades, que don. Mais... タイマシが精霊の器とは、マギル、お前もそうなのか？清らかすぎる乙女のわしは、精霊が宿りたい器3年連続ナンバーワンじゃよ。なら、エレノアの代わりに、あんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしはビエンフー一匹で手一杯じゃし。ビエンフーを喰らえば空きができるでしょ。
相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ。某はあのとんでもない金主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんぞではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けどあの女大魔師は器になれた。エレノア様はマギル姉さんより頑張り屋さんでふから。ではなおさら探し出して倒さねばのう。みすみす強力な敵を増やすことになる。見つけるわよ絶対。Oui, oui, on va retrouver la ficelle et on va retrouver Magilo. Ok, il y a une autre petite scénette, allez, on se la lance. Koko a iseki mitai daga, doko nanda? Kabe ya hashira no yoshiki kara kangaeru to, koko a seishu umashiya o matsutta kodai no chika seiden no yoda. Tsuki umashiya. Umashiya wa chi o tsukasadoru seishu sama jatta no? Souda.俺たちが地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。え、pourquoi donc? 人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こう、ボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが、古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって、聖主に近づくべく地脈の近くに聖殿を作った。おほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して御神体にしたってわけか。そうだ。聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時、いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。D'accord, bon. C'est net, hein, qui nous apprend un petit peu plus sur le lore.Toujours un peu trop longue évidemment, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on arrive où? Oh, je suis curieux, allez, je suis curieux. Non, je suis pas curieux. Je suis curieux. Ça dépend de ce qui va se passer là avec l'événement. Parce que ça se trouve, ils vont nous demander d'aller... Allez. Je crois bien qu'on... La porte va pas s'ouvrir, vous allez voir, donc... Ah non, c'est l'autre, c'est le... C'est le fils du... du chevalier Oignon. Dido. この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう？そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリとおいしくいただいてしまうとか。おいら、アコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮す。C'est toujours juste. Ils ont ce talent de faire une scénette toujours un tout petit peu trop longue. Alors on perd en efficacité, c'est selon moi.Ces gens sont incroyables. Je suis une tortue et je n'arrive même pas à faire de bonnes affaires. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est pas acheter. Bah si, on va regarder quand même. Fiole de panacée, fiole de résurrection, fiole sacrée, c'est quoi ça? Médicament qui évite les combats. Oui, non, ça, ok, on en a encore une. Croc de la bête. Ou pédant, bah, on a déjà tout ça. Hein. Non, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer.
On va améliorer. On va améliorer les armes si c'est possible. Ah là, on peut pas. On peut pas. Voilà, le charme marin là. Allez, son sac de calcite. Chaque fois, je me fais avoir. Hein. C'est. Pendentif de calcite. Il l'a expertisé ou pas? Comment on peut le voir? Non, il l'a pas encore. Allez, hop. On l'améliore. Et pardon. Est-ce qu'on voudrait démanteler? On doit démanteler plein de trucs là. Ça, je comprends pas qu'il me met ça alors que j'en ai des milliards normalement. Allez hop, on démantèle ça. Pareil, là, les écharpes d'Aphrodite. Regardez-moi ça, les trucs d'ambre, là. On en a... Ce qui nous intéresse, c'est de, c'est pas les sous, parce que bon. Pareil, là, les talismans d'ambre, il y en a 15 milliards. Allez hop, c'est bon. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose à nouveau, s'il vous plaît? Surtout au niveau des... Il nous manque quoi? Du copeau de bronze. Comment on change de personnage, bordel? On peut améliorer que cette nana? Que la nana? C'est pas possible. Ah, voilà. Ah là. Bonus d'amélioration, plus 10% de dégâts contre les ennemis étourdis. Temps de lancement des artés de Malak, de feu réduit de 15%. Là, j'ai perdu 50 000 viewers hein, là, depuis le temps que je suis sur le... On a dit qu'il n'a pas encore expertisé la poupée d'ambre. Allez, on lui améliore. Tout ça, c'est expertisé. Elle l'a pas encore gardien usé. Accessoire, bouclier. Lui, il faut absolument qu'il survive. Hein. Voilà, allez hop, c'est bon. On se barre. Ouais, oui, ça te fait marrer, mais... Ça va moins te faire marrer dans 2 secondes quand je vais te latter le cul. Merde, elle s'est retournée. Je ne fais aucun dégât. Et là, on se fait latter là. Allez, Arte Mystique. Voilà. Faut pas hésiter à les utiliser, hein.
さあ、先に進もうぜ。C'est l'enfer, hein. Que à chaque fois, on... à chaque fois, on... on peut aller par là et on peut aller par là. Allez, moi je le sens bien à gauche. C'est un coup à gauche, un coup à droite. Je le sens bien, ça va être par là, vous allez voir. J'ai un sens de forme de clairvoyance. Pour ce genre de truc. Là j'ai déjà vu qu'il y avait un mur fissuré. Ouais, j'ai bien fait de me protéger là. Eh, vous pouvez pas m'aider là un peu? Vous voyez bien qu'ils me font du mal. Voilà. On l'a tous vu, hein. Le mur fissuré, on va se le faire, hein. Évidemment. Merde, je suis étourdi. Et j'ai pas été étourdi longtemps parce que j'ai mangé un truc. J'ai mis la bouffe automatique pour pas que je sois étourdi longtemps. J'ai fait ça avant de lancer le live. Je plaisante pas, hein. J'ai véritablement fait ça. Ben, je regardais lui, le magicien mort-vivant, je regarde un peu ses stats, il a une défense de plus 30%, bon, il a, et les points faibles, c'est les attaques normales. Voilà. Je vais essayer de pas toujours dire voilà. Hein? Bon, voilà. Oui, je vais ouvrir avec mes binous. Qu'est-ce que tu nous donnes? Rien du tout. Ah bah bravo. Ah bah bravo la France. Ah, situation dangereuse. Oula, 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 oula. Et oh là là, oula, oula. Quoi, on est tous en train de crever? Objet. Fiole de résurrection. Je suis encore mort. Ils sont décidément très très forts. Non mais c'est moi qu'il faut... Allez, toi tu me redonnes... Gueule de résurrection. ここだ。
Objet. Gueule de résurrection. Ça c'est dégueulasse hein. Attendez, qui est en train de crever là? Putain. On va crever ici, c'est pas possible. Ah putain, on est mort. Mais c'est quoi ce bordel? On va être obligé de retourner là? Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc? On aurait dû faire une sauvegarde rapide. Oh là 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 là, ah bah ça y est là j'ai perdu. Oh là là, le taux de viewer a chuté de 50% là. Quel enfer. On s'était fait chier à upgrader plein de trucs et tout. Putain mais c'est l'enfer ce jeu, il n'y a pas de save. Putain. Ça c'est gonflant hein. Je m'étais fait chier à... Je m'étais fait chier. Bon, ce qui est bien, c'est que dans la VOD, ça n'efface pas les bonnes blagues. Tout ce que j'ai dit avant est toujours d'actualité. Donc du coup, ce qu'on va faire... C'est qu'on va refaire ce qu'on a fait, évidemment. Mais on va passer par l'autre chemin. Ça va vous donner l'illusion... Je dis bien l'illusion. Qu'on ait fait autre chose. Ah, faut que je fasse des sauvegardes rapides. Hein. C'est pas possible. Il n'est pas question de se tous refaire à chaque fois. Hein. Je conteste. Hein. Mais je suis revenu. En plus, je suis con. Je suis revenu là où j'étais. C'est bon, j'ai fait les trois. Quel enfer! Tout était bien parti. Quel désenchantement. Non, bah va te faire foutre. Ah bah va te faire foutre. Ah non, on a plus le temps là. Nanto, ikidomari ja. Washira no kouken mo koko made ka. On est déjà au courant de tout ça. Kibi ga haitte. Kore nara. On a déjà vécu tout ceci. OK, on est dans les ruines inférieures. On est bien obligé de se faire quelques combats pour... Eh ben, l'arté mystique, elle nous aurait été bien utile. Hein. Tout à l'heure. Je
随分か。お仕置きの時間じゃない。ここだ。呪い逃がしはしない。ジェットブリカット。効果弁増減客。ほらほらほら、et oh, ça va, il fait des petites attaques de 10. Et oh, mais t'es vraiment une saloperie toi, hein. Non, 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 non. Je me ferai pas prendre un sandwich. Voilà. Ok. Ah mon dieu, hein. Je suis déçu, en plus on avait récupéré des bonnes armes. Non là je suis en train de revenir sur mes pas. On avait récupéré des bonnes armes. Oui ça te fait marrer mais... Moi ça me fait pas rire. Bon là on le passe. Hein. Voilà, ça on l'avait déjà vu. Hein. Où sommes-nous, pareil. On le passe. Voilà. On le passe. Bon, vite fait, on va refaire, mais je suis désolé. Hein. Oui, bah oui, oui. Tu vas nous faire un prix, petit. Tu vas nous faire un prix. On est au courant. Allez, hop, t'es prêt, là. Tu vas nous faire un prix. Déjà, on démantèle. On va essayer de s'organiser mieux. L'âme de calcite, laquelle est la mieux? Celle-là, on démantèle. Croc de bête. C'est les mêmes. L'âme d'ambre. On démantèle celle-là. Alors, ça... Je regarde même pas. Allez, on démantèle tout. On en garde... On en garde qu'un. Comme là, dague machin, là. Allez, on démantèle celui-là. C'est moi qui peux porter la ceinture d'ambre. Bon, on est bien là. Hein. Dans mon souvenir, bordel. C'est les deux mêmes là. Bon allez, on améliore, sinon on va perdre 1000 ans. Moi ce que je veux améliorer déjà, c'est la défense. Armure. Parce que là on a vu ce que ça avait donné. Hein. Copeaux de bronze, il lui faut des copeaux de bronze. Là c'est tout, ok. Maintenant en armes. On est obligé de tout refaire, hein. c'est quand même super chiant. Celle-là, elle est déjà augmentée.
On démantèle, on démantèle. Lame d'ambre. Non, on en a là. Nous, il nous faut du copeau. Dague étrangère, c'est bon. On peut... Il l'a déjà expertisé. Allez hop, on améliore. Si j'ai pas trop merdé, normalement on peut. Ah, il en faut 3, mais va te faire enculer peut-être. Ça sera pour plus tard. Allez hop, on s'arrache. Et je fais une sauvegarde. Et on va passer par là. Merde. Voilà, merci bien. Comme ça, ça va nous donner l'illusion de faire autre chose. Ah mais y a pas moyen, de toute façon j'ai perdu tous les viewers. Passé trop de temps dans le menu, hein. Ça c'est classique. J'ai regardé les vidéos sur YouTube et ils le disent, hein. Passez pas trop de temps dans le menu. Et bah voilà, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser comme un débutant. Ce que je suis d'ailleurs. Bravo. Ouais, de temps en temps, au lieu de dire voilà, je vais dire bravo. Ils sont sensibles à quoi, ça va. Et je me fais la thé, hein, c'est pas possible. Hein. C'est des sacs à PV là, hein. Bravo. Voilà. Bah oui, mais le flux ténébreux, on le savait déjà. Paire de boucles d'oreilles, d'oreilles d'ambre. On le savait déjà, hein, qu'on allait l'avoir. Allez, boucle d'oreille. C'est où? C'est ça, hein. Elle l'a même pas expertisé. Non, c'est ici. Allez, efficacité contre les semi-humains. Ah, voilà. Allez, notre Arte. On avait dit qu'on le mettait là. Hein. Flux ténébreux. Ouais, ah, c'est ça qui est chiant, c'est qu'après, on a envie de faire une sauvegarde rapide tout le temps et c'est super chiant. Il ferait mieux de nous téléporter et puis que... Et puis voilà... On téléporte et puis on garde tout, puis en fait il y a pas de game over, il y a jamais de game over, voilà, c'est plus simple. Non, ça force à jouer bien. Vous voyez, on a bien fait d'aller là. On aurait loupé le petit coffre. Gilet d'épines. Et n'oublie pas de l'enlever avant d'aller au lit. Je suis sûr qu'on peut le casser. Et voilà, c'est la voie royale avec les boules.
Ah là 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 là, c'est Byzance. Essaye de regarder les noms un petit peu. C'est joli ça. C'était bien vu. Oh là. Ouais, on leur fait pas beaucoup de dégâts hein. Je vais pas crever hein. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Arte mystique. Oula oula oula, objet, s'il vous plaît là, on se calme. Toi là, ma Gilou, tu vas nous donner de la fiole de... De la gelée de pomme, s'il te plaît. Non, non, on va mettre le paquet sur lui. Hein. Ah, c'est bon, on l'a eu. Ouf. Heureusement qu'on avait. Talisman de calcite, voilà. Heureusement qu'on avait l'attaque. Hein, putain, comment ça s'appelle? L'attaque mystique. Talisman incrusté de calcite. Alors, une initiative prometteuse. Si vous ne recevez aucun objet à l'issue d'un combat, le prochain aura un taux d'apparition augmenté de 1%. Oh, voyons, qu'est-ce qu'on est vénard. En difficulté normale ou supérieure? Bon, on est en normal. Chaque fois que vous terrassez un ennemi puissant, ses congénères du même type gagnent en force. Ils attaquent moins souvent lorsqu'ils ont beaucoup de PV aussi. Si vous êtes dépassé et que vous ne voulez pas risquer de perdre la partie. Ah oui, tout à l'heure j'aurais pu fuir, c'est vrai que j'ai oublié. Mieux vaut fuir et rester dans de meilleures conditions. Ouais, on n'est pas des fuyards. Allez, équipement. Elle a maîtrisé les bottes. Et on peut lui mettre autre chose du coup. Les bottes d'ambre, elle en a jamais eu. Ça lui fait gagner un petit peu, mais bon. Ah voilà, des bottes d'ambre qui sont bien. Allez, toi, tu vas nous mettre ça. Et en talisman, il l'a maîtrisé, donc on va lui mettre le talisman de calcite. Elle l'a maîtrisé aussi. Le talisman de calcite. C'est chiant parce qu'on n'a pas le temps de tiens par exemple botte de calcite. Non, il a déjà tout maîtrisé. Il, a pas... il y a que les chaussures solides qu'il n'a pas encore fait. Ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas le temps de s'habituer ou de il n'y a pas vraiment de technique vu que une fois que c'est expertisé bon bah, en fait on change tout le temps de d'armes. C'est moi ou il y en a encore plus que tout à l'heure?
Bon, toi tu nous fais chier depuis tout à l'heure. Je sais bien que je devrais pas commencer le combat en attaquant. Allez hop. Excusez-moi. Du coup, on a encore perdu plus de temps. Ah bah bravo. Non, toi, tu nous embêtes pas tout de suite. Heureusement qu'il n'y a pas de temps de chargement. Vous vous rendez compte? Si en plus on devait se taper des temps de chargement à chaque fois. Ah, il y a une petite herbe que j'aime beaucoup. Alors attendez. 3000, 3000, 5000. On va déjà se faire les plus faibles, comme d'habitude. Et oh là. Ah, je suis pas sur le bon là. Voilà, moi je veux le mille-pattes. En fait voilà, c'est pour ça qu'ils sont durs, c'est qu'ils ont beaucoup de points de vie. Ah, je vais bien baiser là avec ma teinte. Si vous trouvez que c'est un peu le bordel à l'écran, je vous rassure tout de suite, pour moi aussi. Vous sentez pas dépassé par ce qui se passe, moi aussi je le suis. Charme marin. Talisman protégeant des accidents en mer. C'était celui-ci qu'on avait mis tout à l'heure. Hein, hein, on est d'accord. Talisman de calcite. Ouais, mais il l'a pas encore expertisé. Bon, je vais arrêter de dire qu'il l'a pas encore expertisé, vous avez compris. Hein. On est quand même à la partie 50 000. Ah lui, il nous sort l'arté mystique. Sans les mains. Attends, on va voir ce qu'ils font. Ah bah, ils peuvent jouer sans moi en fait. On a un nouveau pendentif fait de calcite, mais uniquement pour Aizen. J'aime bien dire son nom. Je sais pas pourquoi. J'aime bien Aizen. Mais il a pas encore expertisé le sien. Ça sera bientôt. Ça va lui donner sacrément de la vie. Ça va être bien. Alors ça, c'est les petites plantes que j'adore. Parce que ça nous donne de la défense en plus. Alors, qui a besoin de défense? Bah moi, bien sûr. Ces petites plantes essentielles, ça, voilà, c'est par là. Hein. J'allais retourner sur mes pas. Hein. J'ai l'impression qu'il faudrait quand même qu'on
On sauvegarde un tout petit peu le... Au moins mon arme. Améliorer. Mon croc de bête, il veut des copeaux de bronze. Démantelé. Je veux du copeau de bronze, s'il vous plaît. Ah, papier de base, il me donne du copeau de bronze. En plus, il l'a expertisé. Allez, hop, démantelé. Non, ça, il... Papier de calcite. Il l'a expertisé. Ouais, mais on va pas lui faire, ça se trouve, il en aura besoin plus tard. Voilà, du bracelet. Ah bah là, ça me donne du copeau de bronze, ça c'est très bien. Voilà, allez hop, on améliore mon arme. On passe à combien ? À 97, et en plus on gagne en armure. C'est magnifique. Là, ce qu'on vient de faire, c'est magnifique. Son talisman de calcite. Je reviens sur les armes. C'est difficile, hein, de comprendre. Hein. Chaque fois, je me fais baiser. Voilà. Là, on peut augmenter sa feuille de grâce. Voilà, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. Ok. En accessoire, on peut... Bonus d'amélioration, puissance des brisa augmentée de 10%, plus 20% d'expérience en éliminant. Non mais pff, il nous noie sous des... C'est ça qu'on avait fait. Hein. Allez, on reste là. Et on fait une sauvegarde, évidemment. Voilà. Et là, on progresse. Cette fois, on part à droite. Toujours dans ce souci d'illusion de faire autre... De... Donc là, on est juste revenu où on a été tout à l'heure. Hein. Ah, mon Dieu. Et on sait que c'est pas la bonne route, en plus. C'est là tout le génie. C'est là tout le génie. Ah ouais, mais voilà. On est content quand même. Du romarin, attaque. On va lui mettre à lui. Hein. Parce qu'il tape pas fort. Hein. Sans vouloir le vexer. Y a pas un petit mur friable là? Non? Bon. Attends, je suis arrivé là. Voilà, on continue. Pardon. On est où là? Oh, ça va nous faire revenir à notre point de départ. Bon, très bien. Bon, c'est temps d'axe là de passer hein, sans se faire avoir. Mais on va le faire. C'était tendu du string, comme disent les jeunes. Bon, ils sont pas super agressifs. Hein. Ils font ben bon, ils me courent pas après quoi. Ils sont pas si motivés que ça, hein. Ça fait peut-être longtemps qu'ils sont enfermés ici. On sait pas. En fait, on sait pas. Tu m'emmerdes toi. Allez, hop, partez mystique, j'en ai plus rien à battre. J'en ai plus rien à battre de rien. J'ai parlé un petit peu fort là, je crois. J'ai vu la barre du son qui était dans le rouge. Ah là là, mais c'est... Mais de toute façon, il a pas expertisé. Faut que j'arrête de regarder à chaque fois. Hein. Il a pas expertisé. Allez, on verra ça quand quelque chose est expertisé, on regarde.
On se fait encore baiser, on libère une bonus pour rien du tout. Ouais, bravo. Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure, ça? Et du coup, ça donne envie d'aller voir quand même ce qu'il y avait de l'autre côté. Moi, je suis complètement con. On est où, là? Oui, bah, ça nous fait revenir sur nos... Oui, le point bleu, c'est par où on est arrivé. Enfin, je crois. Là, on sait pas où ça mène. Peut-être que je dis une connerie. Hein. Ce sera pas la première fois. Oh putain, il y a un monstre que je fais une sauvegarde. Voilà. Il y a un monstre légendaire de la mort. Viens, 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 viens. Il y a un petit monstre légendaire. J'aimerais bien l'affronter, juste le monstre légendaire, si c'était possible. Voilà. Ah bah, utilise pas ton arté mystique maintenant, toi. On va en avoir besoin. Il est pas technicien. Je le garde dans l'équipe parce qu'on n'a pas le choix. Mais... Il est pas technicien. Il a pas compris qu'il y avait un combat très important juste après. Il y a un combat très important juste après. Il est pas technicien et zen. Bon. C'est pas trop mal. Bon, on va se la faire, hein, parce que c'est sûr que... C'est... Allez, c'est parti. Et on a l'avantage. Alors, avant, elle est quoi? Point faible, le feu, et voilà. Très bien. On va la voir. Il est où mon truc de feu là? Voilà. Ah bah vous faites les malins maintenant. Ils font les malins, on a plus d'arté mystique. Pourquoi ça m'a baisé une âme alors que j'en ai plus que deux, alors que j'ai pas utilisé mon attaque spéciale? Non, non, vite, casse-toi. Voilà. Ah, j'ai le truc lenteur. Alors, s'il te plaît, toi, si tu pouvais me donner une panacée. Il m'a remis une lenteur. Bravo. Et oh là, oh là, oh là, oh là. J'en étais sûr. Les salauds. Salauds. Oula, on est dans la merde. Pote, toi tu m'as l'air bien. Gelée de pomme, tu vas me... Tu
me donne à moi. On peut pas. Allez, objet. Toi, une fiole de résurrection sur... Bah sur personne. C'est sur lui. Bon. Et toi, tu fais une fiole de résurrection sur moi, s'il te plaît. Allez, tu vas crever là. Allez, c'est bon. Et il a rien gagné parce qu'il était mort, le pauvre. Initiate d'aspirant. Augmente les chances de recevoir des compétences aléatoires de niveau 2. En difficulté normale ou supérieure. Oh là là, altération d'état, lenteur, altération d'état de terre qui réduit temporairement la vitesse de déplacement. Être ralenti empêche de récupérer des PV et d'effectuer des pas rapides pour esquiver. Bah ouais, je m'en suis rendu compte là. Hein. On s'en est un petit peu rendu compte. Hein. Les ennemis résistants à la terre ne peuvent être ralentis. Mais ceux dont la défense est réduite, ils sont 4 fois plus sensibles. Ah ok, c'est comme d'habitude. Ça serait bien que Rokuru, on lui donne un peu de vie. Et on va le faire avec ce combat avec lui là. Il gagne de la vie à chaque fois qu'il fait des combos, normalement. Voilà, il a déjà gagné 226 là. Je sais pas pourquoi elle est dans l'équipe, elle. Moi, je préférais quand c'était... Ah bah non, mais il est plus avec nous, la ficelle, je suis con. Et oh là là, et oh, ça va aller là. Bon, j'arrête. C'est laté, mais je comprends pas. Ils sont bien plus durs là, ils sont 5000. Bon, un au moins. Attends, il faut jouer technique. Qui c'est qui a le moins de vie? Lui. Oh lolo! Ça met 1000 ans à se mettre en garde. C'est moi où on se bat beaucoup moins. Ah, parce que j'ai l'effet lenteur. Peut-être. Eh bah dis donc. Quelle aventure. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Hein. On a bien regardé, il n'y a pas de mur à détruire. Hein. On passe pas à côté de quelque chose d'essentiel. Après, je vais encore recevoir des milliers de messages pour me dire « Romain, là, il y avait quelque chose, t'as pas vu, t'as de la merde dans les yeux, t'es qu'un connard. On te déteste. » Non, tu m'auras jamais. Je cours bien plus vite maintenant, avec mes 10% en plus de course. M'aurais jamais. Allez. Attendez. Je mets le petit truc sur pause.
Je reviens là. Voilà. Je vais... Attendez, comment on fait pour mettre... Voilà. Je reviens tout de suite, je vais faire pipi. Et là, vous allez encore être chanceux. Je vous ai préparé, bah toujours, c'est la même chose, la petite scénette pour quand je vais aux toilettes. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai pas été voilà, j'ai enlevé du son du jeu, pardon. J'espère que j'ai pas été trop long, hein. Je regarde un peu le chat. Ça y est, les gens se plaignent, hein. C'est fou, hein. C'est fou cette histoire. Bon, on retourne en jeu. J'y arrive. Et très bien. Voilà, donc à mon avis il y a une petite cinématique là. Ah bah non. Autant pour moi. Je m'étais dit c'était le bon moment d'aller faire un petit pipi. Puis en fait pas du tout. Non, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai aucune explication à vous donner, hein. On se connaît à peine. Déjà on se connaît à peine. Bon. Je vois là-bas qu'il y a de la petite herbe, non? Curieux ce petit endroit. Non mais regardez déjà comment ils nous prennent pour un con. Vous voyez ma carte là? On voit qu'il y a un petit renfoncement. On a compris qu'on pouvait péter le mur là. Hein. Et des fois on n'avait pas vu. Ils nous redonnent un indice. Alors c'est gentil, mais on a l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. C'est vrai qu'il y a des moments le jeu est très enfantin. Mais par contre au niveau tuto et tout, les artés, les machins, t'as intérêt à être un adulte et t'as 145 de QI. Gilet d'épines. Gilet couvert d'épines, voilà, n'oubliez pas de l'enlever avant d'aller au lit, voilà, ça c'est le truc qu'on avait trouvé. Voilà, gilet plus 2. Et bien lui il a expertisé son gilet de calcite, donc on peut lui mettre le gilet d'épines. Par contre, ouais, ça lui fait baisser quand même drastiquement ses stats. Hein. Alors on va lui mettre, mais... S'il passe quand même de... Non, on va lui laisser son gilet de calcite, sans déconner. C'est tout ça pour gagner quoi? Les défenses de 30% si les PV sont inférieurs à mes couilles? Non, non, non. Il garde son gilet, et lui, par contre, s'il passe au gilet d'épines, ah, ça sera un tout petit peu mieux. Ah, ça c'est maîtrisé. Ça c'est toujours pareil, on a toujours pas de nouvelles bottes. Sont pas maîtrisés encore, bientôt. Allez, on continue, pardon. Ok, bon bah là, voilà, on a fait le tour. Hein. Le tour, j'ai envie de dire.
D'ailleurs, j'ai envie de le dire et puis je le dis. Ah, on peut faire une petite save. On va faire une petite save. Là, j'allais faire le con, vous voyez. J'allais faire le con, hein, d'aller directement à droite. Ça se trouve, on serait mouru. On va quand même y aller. Pour être sûr de bien racler le fond du jeu, vous voyez. Bien racler le fond de la cuvette des chiottes du jeu. Pardon. Ouh. Oh, c'est bientôt le week-end. Je vais se lâcher un peu. Vous êtes des adultes. Hein. Vous savez où vous avez mis les pieds. Hein. Un fragment de calcite, ça va nous servir pour upgrader. Vous êtes des adultes. Vous savez où vous avez mis les pieds en venant ici. Hein. Vous saviez que ça allait être vulgaire. Parfois. Alors faites pas les candides. Faites pas les candides. Faites pas les candides. S'il vous plaît. Faites ce que vous voulez, mais pas les candides. On va pas être copains. On va pas être copains là. てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは？ラフィセル、オノラフィセル。私の中で眠っています。容体は落ち着いたようです。エレノアだっけ？私が勝ったら器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。代わりにあなたが負けた時は命をもらいます。ça me paraît fair, ça me paraît un bon deal。刺しでやるのか。一人で十分よ。bah je préférerais que vous m'aidiez quand même les gars。bon, on va donner le max。vous entendez la musique ? là faut donner le max。Ah bon, déjà ça commence bien, elle m'a laté à moitié de ma vie. On va se prendre une gelée de pommes. Si elle me tue pas avant. Non mais j'ai mis la garde, hein. Je suis désolé. Ah d'accord, c'est un coup tu me tapes, un coup je te tape. Ouais d'accord. Très mauvais choix. Putain, et en plus elle m'a assommé. Et oh là, voilà, voilà, voilà. Ah, dès qu'on est tout seul, c'est plus le même deal. Hein. Putain, mais elle va me tuer, hein. J'ai peur. Et je peux pas me retourner, mais sans déconner. Je veux bien être conciliant. Hein. Gelée de pomme. Je peux pas encore. Là, c'est vraiment le c'est vraiment la honte. Putain, je
suis pas plus con qu'un autre. J'arrive pas à la parer. Ok. Eh oh, oh. Putain. Putain, elle m'a tué, mais j'y crois pas. Pas objet. Ah, faut charger. Quitter le menu et réessayer. Oui, je vais réessayer. Bon, on va essayer de se défendre mieux. Hein. C'est là où le skill va rentrer en jeu. Faut se défendre. Aïe aïe aïe, une putain de truc là. Putain, mais. Je vous jure que je fais la parade. Mais elle passe pas. Putain. Bon, j'ai eu. Oh là là. Tendu. Pandax. On a réussi. あなたは器の私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょう。それはそれ。勝負は勝負です。面倒なやつね。けど。 Et voilà, je te prends ton petit bâton, tu te casses la gueule. Sans ta canne. 剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。よ。アルトリウス様の戦区。Exactement. なんて不甲斐ない。Exactement. 約束は守ります。あなたの命令に従う。 Elle nous fait pas un AVC, hein, on a besoin de toi. Hein. On a besoin de toi, petite. Ah, la ficelle.
もう大丈夫なの? On est content de le retrouver. Il nous avait manqué la ficelle. わしも覚えがある。高熱を出してしばらくは目を覚まさんじゃろうて。足手まといを連れてどこだかわからん土地を進むのは危険すぎるな。こいつが回復するまで休もうぜ。道連れなんだろう?ライフィセットの器なんだから。 Ah, c'était bien. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? Un ventite du briseur de garde. Alors, qu'est-ce que c'est donc la ventite du briseur de garde? Alors, ça active la charge percutante. Alors déjà, je sais pas ce que c'est la charge percutante. Après être resté en garde pendant un temps donné. Ah oui, c'est quand on se protège. Il y a une petite éclipse autour du personnage et... Ouh! On peut faire quelque chose, je sais pas quoi, mais on peut le faire. Alors à chaque fois, ils nous le réexpliquent deux fois parce qu'ils savent bien qu'on est bien con. Ventite du briseur de garde, charge percutante, s'active en restant en garde pendant 2 secondes. La prochaine attaque a plus de chances d'étourdir et est imparable. S'active en restant en garde pendant 2 secondes, ok. La prochaine attaque a plus de chances d'étourdir et est imparable. Pas mal. Capacité efficace contre les ennemis très résistants. Vous pouvez aussi l'utiliser pour briser la garde d'un ennemi et obtenir des âmes. Les brise-âmes et les artés mystiques empêchent les ennemis de parer. D'accord. Pourquoi on est revenu là? On était dehors là il y a 2 secondes. Brindivolg. Bon. Écoutez, 1h37, j'appuie là-dessus, regardez, hop, hop, on repasse là, on va se remettre en comment on appelle ça, voilà, en plein écran. Bon, bah on va continuer, là c'était la partie 8, hein, je crois, ou 9, 8 je crois, hein, de Tales of Berseria. Bon, un tell-off somme toute classique, mais assez efficace, un bon gameplay, une difficulté bien dosée. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée. Je vais continuer Rebothered Broken Porcelain sur PlayStation 4 Pro, toujours. Bon, on va changer complètement d'univers parce qu'on retourne dans le survival horror et même de l'escape game avec des énigmes. Hein. Voilà. Donc je vous dis à plus tard, merci de me suivre sur Bosseron14, mon Twitch, mon Instagram, Bosseron14, et pour revoir les VOD sur mon YouTube, Bosseron14, voilà, le monde est bien fait. Je vous dis à bientôt, et puis je vous embrasse fort. Voilà, je coupe. À bientôt.